De venir encore nous rencontrer. Parce que nous sommes là devant toi. Mais seul toi, tu peux nous faire accéder dans ta sainte présence. Oui, Seigneur, ouvre ton sanctuaire à nos vies. Et permets-nous de profiter de ta sainte présence comme de palmiers que nous puissions être affermis dans tes parvis. Tire gloire car nous te prions ainsi au nom puissant de Jésus. En te promettant de te rendre toute la gloire. Amen. 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 Que Dieu soit loué. Nous vous saluons dans le nom de Jésus. Nous bénissons le Seigneur pour cette grâce qu'il nous fait. De nous retrouver et de partager sa parole. Nous savons que la semaine a été plus chargée par nos occupations, le travail, le commerce et plusieurs autres choses. Mais à chaque fois que nous nous retrouvons, sachons profiter de la présence de Dieu parce que nous nous rechargeons pour mieux marcher encore pendant la semaine. C'est lui qui ne se ressource pas tombera dans l'épuisement. Et une personne épuisée peut-être vaincu même par les petites choses qui ne pouvaient résister au devant de lui. Les petites choses qu'il pouvait écraser peuvent devenir pour lui de redoutables ennemis. Simplement parce qu'il est épuisé. Que l'histoire de Samson nous édifie encore. C'était la personne qu'on ne pouvait dompter, qu'on ne pouvait dominer. Mais la Bible dit, lorsqu'il a perdu ses forces, on lui a dit, les Philistins sont sur toi. Il s'est réveillé avec la volonté, mais sans pouvoir. Car on peut bien vouloir, mais sans pouvoir. Dans la vie, garde le pouvoir que tu as. Parce que ce sera l'exécutant de ton vouloir. Tu as la volonté, mais le pouvoir te permettra d'accomplir cette volonté. Or, la volonté, c'est quelque chose, une ressource qu'il faut garder parce qu'elle peut s'épuiser. Mais heureusement pour nous chrétiens, même si elle s'épuise, c'est une ressource renouvelée
semblable devant la face de Dieu. Dieu est la source intarissable du pouvoir. Toute personne qui rentre à lui va continuer à renouveler le pouvoir. Amen. C'est pourquoi ne néglige pas ce moment que nous passons devant la présence du Seigneur. Parce que tu ne sais pas ce que le Seigneur place en toi, dépose en toi à chaque moment du culte. Alléluia. C'est très important. Dieu peut te parler même au début du culte. Dieu peut t'ouvrir des grandes choses avant la prédication. C'est l'esprit de la religion qui dit alors que nous ne venons pas pour le matin. Mais nous venons rendre culte à Dieu. Et dans les cultes, il y aura le matin. Alléluia. Amen. Ça, c'est très important. Ne néglige jamais. Amen. Je ne te dis pas, oh non, ne viens, viens, oh, attends, j'ai dit chaque moment, c'est la sensibilité. Tu peux être là bien avant, mais tu n'es pas sensible. Alléluia. Amen. Un jour, je modérais. C'était en 2008. Un culte de soir. Et pendant ce culte, je ne crois pas qu'il y avait même une lampe allumée. On avait mis, je crois, une bougie. Je conduisais la prière. C'était normal. Ça doit être vers le mois début avril. Quand on conduisait la prière, Dieu me parle. J'avais un problème qui me dérangeait beaucoup. Qui faisait que je ne sois pas à l'aise. Mais heureusement, avec mes problèmes, on était là où il y avait les solutions de problèmes. Aucun problème n'était loin de moments de culte. Alors Dieu me dit, ne te dérange pas. Tu me loueras. Voilà la phrase que j'ai retenue. Tu me loueras. Amen. Il y avait une situation qui vraiment me dérange. J'ai retenu seulement tu me loueras. Papa, si mi kabiyo ko tukumi sangai. Et cela a fait toute une vie. Yamoi salaga bon moyen mon. Et j'ai béni le Seigneur aujourd'hui 12 ans après pour cette phrase. Bambou le lege bele papa pa molinda me pa le lobele wana. Je crois que je continuerai à bénir. Na son di maete na ko komba ka ko pa ko la culte de semaine. Alléluia. Amen. Une fois encore, un culte, je crois, de semaine. On priait, mais on avait fait la Sainte-Seine. Et pendant que les gens prenaient la Sainte-Seine, il y avait une femme enceinte. Mais qui, pendant plusieurs semaines, ne ressentait plus aucun mouvement. Lorsqu'elle a pris la Sainte-Seine, il y a eu de mouvements terribles dans son ventre. Et depuis ces jours, cet enfant a été mis en place. Amen. Et il est né comme ça. Et je me souviens une fois, dans un taxi, cette femme est montée. Cette femme est montée. Il y avait un papa à côté. C'est un taxi, c'est normal. Les gens étaient un peu serrés. Et ce papa l'a crié. Oh, ça c'est quel enfant? Oh, mon ami. Parce que bien que assis à côté de la dame, le mouvement de l'enfant dérangeait ses papas.
C'était un culte de semaine. Amen. Un culte n'est jamais spécial dans le calendrier. Amen. Mais le culte est spécial par ta disposition. Est-ce que quelqu'un veut faire un culte spécial maintenant? Amen. Est-ce que quelqu'un veut faire un culte spécial maintenant? Amen. Nous nous lèvons pour lire la parole de Dieu. Amos chapitre 3. Amen. Le verset 4e. Amos 3, verset 4. Tu peux dire à ton voisin, Amos habite à côté de Jeune Afrique. Heureusement que ma téléphone est sur ma voiture. Alors, il y a un Amos, on se voit ouf, on va ouf, on va kéti, on se voit l'équipe kaka miché. Il y a un ami Apocalypse. Alléluia. Amos 3. Le verset 4e. Est-ce qu'on peut lire la parole de Dieu? Amen. Les lions rugit-ils au fond de la forêt sans avoir une proie? Le jeune lion gronde-t-il au fond de sa tanière s'il n'a rien capturé? Amen. Amen. Merci, nous pouvons nous rasseoir. Nous voulons continuer notre enseignement et ce matin nous l'avons articulé, les cris du lion. Dieu nous a bénis énormément pendant la semaine par des merveilleuses choses sur le lion. Le lion, c'est le courage, c'est la noblesse, c'est la détermination. Mais le lion, ce n'est pas seulement ça. Le lion, c'est aussi les chasseurs, la proie. Et la proie est différente d'un animal. Nous avons différencié l'animal avec la proie. Tout animal peut devenir une proie. Si tu le poursuis et tu en fais ta nourriture. Mais si tu ne poursuis pas cela, cela n'est pas une proie pour toi. Or la Bible dit, le lion périt faute de proie. Quand il n'y a pas de proie, le lion va périr. C'est que Dieu dans sa pensée a voulu que tu vives de la proie. Quelle est la différence entre la proie et l'animal? C'est que la proie, c'est l'animal vaincu. Alléluia. Amen. Donc Dieu a fait de moi un vainqueur des animaux, un chasseur des animaux. Mais qu'est-ce qui fait qu'on me trouve spécial par rapport aux autres? Dans la forme, une chèvre avec un lion, c'est la même chose. Dans la forme, parce que eux deux ont quatre pattes. Ce sont des mammifères. Mais la différence, la nourriture de la chèvre est statique, est immobile. Ça ne bouge pas. Amen. Il peut aller là où il veut. Quand il revient, il broute de l'herbe. Et là, voilà. On lui dit, tu as bien fait. Yo, salut, non, mais tu n'es pas très très performant. Yo, beno, abena, na, moi, on a, ma, kasi, bene, a, moi, parce que pour le lion, pour na, cause, sa nourriture bine, na, marche, et dans mon cours, et fouille. Et qui m'a ma casse. Donc on dit au lion de manger ce qui court. Et c'est ça la gravité de notre vie. Ce que nous cherchons ne nous attend pas. Ce que nous cherchons n'est pas assis. Mais ce que nous cherchons fuit. Mais Dieu a confiance parce que nous avons de la vitesse plus que cela. Si tu ne cours pas, tu n'attrapes pas. Si tu n'attrapes pas, tu ne manges pas. Et si tu ne manges pas, tu meurs. J'aimerais dire à quelqu'un, la meilleure chose de ta vie,
vie. Elle n'est pas statique. Elle bouge. Toi aussi bouge. Elle court. Toi aussi court. Elle peut fuir. Alors toi saute même sur le sang. Pour attraper cela. Dieu te rend lion. Ce n'est pas de l'orgueil. C'est aussi une responsabilité. Tout ce que tu attends a moins de valeur que ce que tu pourchasses. Ce que tu pourchasses est meilleur que ce que tu attends. Ce qu'on vient te donner est moins important que ce que toi-même tu vas chercher. On a pris Israël. On a donné ça à Dieu. Quand Dieu a pris ça, il a dit car tout son péché est son privé de la gloire. C'est qu'en Israël, il n'a trouvé personne. Et quand lui-même est descendu, il a commencé à chercher. Il a trouvé le vrai adorateur qui adore le Père en esprit et en vie. Ce que je dis à quelqu'un, descend et cherche. Dieu lui-même est descendu pour chercher. Descendre veut dire enlève un peu les orgueils et tes hauteurs là, descend et cherche. Comme j'aime le dire, celle qui vend les braises rentre avec l'argent et non avec les braises. Amen. Mais toi, tu ne veux pas. Moi, vraiment, je vais toucher les braises. Mais ce sont les acheteurs qui rentreront avec les braises. Toi, tu rentreras avec l'argent. Non, c'est l'argent qui est plus important. Descends et va chercher. Ne reste pas là-bas, à la hauteur là où tu es. Ce matin, nous voulons dire le cri maintenant de ce lion. Ce lion-là que nous sommes, parce que le véritable lion habite en nous. Il rugit pourquoi? Je l'ai dit déjà le vendredi. J'ai commencé déjà à flasher sur cela. On nous a fait croire que le lion rugit quand il voit la proie. C'est faux. Le lion ne rugit pas quand il voit la proie. Le lion rugit quand il a reçu la proie. Parce que si le rugit avant, la proie va partir, la proie va fuir. Enfant de Dieu, tu cries trop avant. Amen. Le lion ne le fait pas. Le lion n'agit pas ainsi. Quand il le voit, il est calme. Il peut même se rabaisser dans un seul objectif, prendre l'animal. Quand il a pris ça, avec ses griffes, il déchire et en signe de victoire, en cri de triomphe, il écrit et rugit afin que les gens fassent silence, parce que le roi veut manger. Je dis à quelqu'un, tu ne mangeras pas dans le bruit, tu ne mangeras pas dans le désordre, tu ne mangeras pas dans la confusion. Ce sont tes actions de grâce qui feront que les gens soient calmes pour que toi tu manges, pour que toi tu adores. Amen. Le lion ne rugit pas avant. Quand tu rugis avant, tu éveilles l'attention de tes ennemis. Tu éveilles l'attention et de l'animal et de leur berger gardien et de ceux qui te recherchent. Ce que j'ai compris, le lion m'amène à expliquer que dans ma vie, tant que je n'ai pas encore gagné, je n'ai pas à faire du bruit. Et même la Bible est d'accord avec moi, parce que Jésus, quand il a trouvé les 10 lépreux, il a dit ceci: allez. Allez, quand ils sont allés, en se voyant guéris, celui qui rentrait, rentrait pour rendre grâce. Cela veut dire la guérison était sa proie.
il venait avec la guérison et la louange. C'est que celui qui reçoit aussi la proie et qui ne crie pas, ce n'est pas un enfant de Dieu. Il est un grand à Dieu. Un vrai lion doit crier. Dieu a fait du bien dans ma vie. Je crierai. Crier ne veut pas dire raconter mon histoire. Non. Le Christ s'est manifesté ma présence. Je peux crier non vocalement. Je peux crier gestuellement. Je connais quelqu'un qui a crié. Quand je l'ai vu, j'étais étonné. Mon père m'a dit, ne t'étonne pas, il est de notre famille. Pourquoi? Parce que dans notre famille, chaque fois que Dieu fait du bien, et cet oncle-là crié, il a tellement crié qu'il a dérangé les tympans de sa femme. Et sa femme était scandalisée. Comment ce papa l'a crié? Mais il ne criait pas vocalement. La Bible me dit, lorsque l'arche entrait à Jérusalem, David dansait de toutes ses forces. Quand il dansait, il criait. C'était le cri du lion. Et quand sa femme lui a dit, pourquoi tu fais ça? Écoute sa réponse. Je ne le fais pas par plaisir, mais je le fais devant celui qui m'a pris. Derrière le troupeau, qui a fait de moi un roi? Je dis à David, non, la phrase était complète. Avance encore. Il m'a fait roi de préférence à ton père. Je dis à quelqu'un, si tu es roi, on est à tata na babo. Si tu es roi, on est à maman na babo. Si tu es roi, tu bénéficieras plus que eux tous. Et comme un roi, quand tu reçois, tu dois crier. C'est que le gamma. Ah oui. Les œuvres aussi crient. Oui. Les œuvres aussi crient. Les offrandes crient. Le sang crie. J'ai dit à quelqu'un, chaque fois qu'un lion a quelque chose, il crie. Ce que je dirais, c'est un moyen de manifester sa reconnaissance à celui qui lui a donné la proie. Tout enfant de Dieu doit savoir être reconnaissant. Connaissant à celui qui lui fait du bien. Dieu, mais il n'y a pas que Dieu. Il y a aussi les hommes. Il faut être reconnaissant. Le lion n'est pas un ingrat. Non, le lion n'est pas comme ça. Le lion n'est pas un lâche. C'est pourquoi il ne mange pas la nourriture d'autrui. Ce que tu as chassé, c'est pour toi. Le lion aime manger ce que lui-même a chassé. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Le cri du lion, c'est une marque de reconnaissance à Dieu. Mais le cri du lion, c'est aussi une marque de triomphe et de victoire. Il ne le fait jamais avant. C'est ça le lion. Mais le lion ne crie pas que pour la proie. Il crie aussi pour une deuxième raison. Je n'ai que deux raisons. La première raison pour la proie. Pas pour l'animal. Je répète, pour la proie. Amen. Quelle différence y a-t-il entre animal et proie? L'animal, c'est pour tout le monde. Mais la proie, c'est l'animal que toi tu as gagné. Dis merci à Dieu pour ce que toi tu as fait. Fais aussi merci à Dieu pour ce que tu as réalisé. Et c'est ça la meilleure adoration. Seigneur, je te bénis. Parce que le papa là, il est sorti débuté. Ah, bon, papa, on a dit, moi j'ai fait quoi?
qu'est-ce que moi j'ai à faire avec sa députation? À moins que je sois parmi ses votants. Ah! Parce qu'on dira, nous avons gagné. C'est une action de grâce partagée. Mais si je ne suis pas inclus, je vais crier pourquoi. La première raison, cri de victoire, acte de reconnaissance. Mais deuxièmement, le lion crie aussi pour une bonne raison. Je me dis, mais tu cries pourquoi? Pourquoi tu cries? La Bible dit, s'il n'a pas trouvé de proie, il ne crie pas. Mais s'il n'est pas dans sa tanière non plus, il ne crie pas. Là où il domine, là où il n'écrit pas. C'est que le lion crie pour marquer son territoire. Il crie pour marquer son territoire. C'est pourquoi on ne peut pas avoir dans une même savane deux lions. Non, deux. On peut avoir plusieurs lions. Mais le lion, seul, avec des lionceaux, des jeunes lions, pourquoi? Parce que ce territoire est déterminé par son cri. Si un deuxième lion vient, il doit y avoir deux cris. Mais là, ce sera le territoire de qui? Une seule possibilité, qui se battent. Le plus fort chassera le vaincu et il criera pour dire que ce territoire m'appartient. Qu'est-ce que cet enseignement que Dieu nous montre ensemble? Le lion crie pour marquer son territoire. Premièrement, je reconnais qu'il a droit à un territoire. Deux, il crie parce qu'il sait que si il ne crie pas, ce territoire est menacé. Retiens ça. Tu as un territoire. Mais sache-le, ton territoire à toi aussi est menacé. Il n'y a pas de paix tant qu'on est vivant sur un territoire. Ah, qui mis à la kate, ce qui aux anons n'a pas mon esika. Tout ce que tu as est menacé. Et si tu es lion, tu dois apprendre à crier par rapport à ton territoire. Afin que celui qui veut s'aventurer sur ton territoire fasse attention. Je dis à quelqu'un, sache-le que tu as un territoire. Cela peut être ta famille. Cela peut être ton travail. Cela peut être la beauté que Dieu t'a donnée. Tout ce que Dieu t'a donné, c'est un territoire sur lequel Dieu t'a établi pour régner. Mais cela n'empêche pas qu'il y ait des gens qui viennent te menacer. Oh, celui qui va à côté de toi te menace. Parce qu'il veut prendre et partager avec toi les clients. Celui qui vient dans un travail te trouver te menace. Ce n'est pas un ennemi, mais c'est une menace. Et à cause de cela, tu as besoin de crier si tu es lion. Pourquoi tu dois crier pour que les gens fassent silence? Que l'on sache, si tu veux avoir la paix, reste tranquille, c'est mon territoire. Je n'empêche pas les gens de venir vendre. Mais je crie pour qu'ils sachent que moi, je ferai mes bénéfices. Je n'empêche pas quelqu'un de mettre son église à côté. Mais j'écris pour qu'il sache que ici c'est moi. Sache que tu as un territoire. Ça, c'est la première des choses. C'est pourquoi j'avais dit, le lion, il a la noblesse dans la tête. Parce que le pauvre se considère toujours comme n'ayant rien. Mais le riche
est celui qui est conscient de sa possession. Sais-tu ce que tu as? Es-tu conscient de ce que tu as? Es-tu fier de ce que tu as? C'est le début de tout. Tu as un territoire. J'ai un territoire. Même si je marche pieds nus, j'ai un territoire. Même si je n'ai pas fini les études, j'ai un territoire. Quel que soit ton âge, tant que tu es vivant, tu as un territoire. Comme un docteur. La première des choses, retiens les gens un territoire. Et à cause de ce que j'ai, il y a de ceux qui menacent. Oui, il y a de ceux qui menacent. Et de temps en temps, ils entrent dans mon territoire. Ils peuvent prendre quelque chose et fuir. Si je ne fais rien, si je ne réagis pas, si je laisse ça seulement comme ça, aujourd'hui ils entrent pour prendre et fuir. Demain ils seront là, ils passeront la nuit. L'autre jour, ils habiteront. Et à la fin, ils me chasseront. Est-ce que tu as compris? Alléluia. C'est que tu tolères que ça entre dans ta vie. Demain, ça habitera. Après demain, ça érigera un système. Et à la fin, ça te fera tomber. Et c'est pourquoi, chaque fois qu'ils entrent, même quand tu ne le vois pas, dès lors que tu te promènes le matin pour surveiller ce que tu as, si tu vois les traces des pattes des autres, Christ est le mort. Qu'il sache que je ne tolérerai plus de rien. Lion est celui qui protège son territoire. Je dis à quelqu'un, même tu n'as pas vu les démons, même si tu n'as pas, tu ne connais pas les sorciers, mais dès lors tu vois les traces de leurs pattes, des petits blocages, des petits cauchemars, des petits envoûtements, je t'invite ce matin, prie pour qu'il sache que c'est ton territoire, c'est ton territoire. Ils n'ont pas le droit de commencer à venir. Tu n'as pas à leur laisser les libres cours comme ça. Non. Pourquoi je dis? Parce que quand tu atteindras les niveaux où ils veulent te chasser, même si tu es lion, tu ne pourras pas résister. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils seront nombreux. Ah oui. Ils joueront à la quantité. Et quand les gens sont trop nombreux, tu ne pourras pas résister. C'est pourquoi j'aime la sagesse de Dieu. Il a vu la multitude des Philistins. Ici, les Philistins combattent mes petits Israélites. Mes petits ne vont pas réussir. Ils sont peu nombreux. Lui-même dit, Satan va leur donner cette idée. Et c'est pas pour moi. Le diable est venu leur dire, Satan, pourquoi est-ce que battre comme ça? Qu'on fasse sortir, c'est pas un champion. Pour que les autres ne combattent pas. Ils disent, ah, bonne idée. Goliath a dit, mais moi, c'est moi le champion. Au lieu que tout le monde se batte, et les ma quantité de quoi? Au lieu qu'on se batte, faites sortir seulement un. Et moi-même je suis là. Mais celui qui gagne, il gagne pour tous. Voilà la sagesse de Dieu. Là où il sait que tu ne seras pas dans la quantité, il te fera gagner dans la qualité. Oui, quand il verra que tu ne pourras pas gagner dans cette dimension, il changera les règles du jeu pour que tu gagnes dans l'autre dimension. Quand il place Salomon, il
voit que Salomon est faible et il ne sait pas se battre. Il change les règles du jeu. Il dit ma kamami koleza ma mba sagesse. Parce qu'il sait que s'il vient dans la sagesse, le champion gagnera toujours. Tu es le champion de Dieu, tu gagneras toujours. Tu es le champion de Dieu, tu gagneras toujours. Je sens une ordonnance que je dois signer. Je sens que je dois signer une ordonnance. Si vous êtes égaux en fonction des diplômes, si vous êtes égaux en fonction de français, j'aimerais que tu gagnes par rapport à ton caractère. Si vous êtes heureux par rapport à ton caractère, j'aimerais que tu gagnes par rapport à ta beauté. Si vous êtes heureux par rapport à la beauté, je rappelle que tu porteras le nom de son grand-père, il t'aimera. Le Dieu de la Bible est comme ça. Je dis à quelqu'un, tu es le champion de Dieu. Dieu arrangera les choses pour que toi tu gagnes. Alléluia. C'est comme ça que David a gagné Goliath. Israël a profité. Israël a profité. Tu feras profiter ta famille. Amen. Tu feras profiter ta nation. Amen. Tu feras profiter ton église. Amen. Tu feras profiter tes amis. Amen. Parce que tu es le champion de Dieu. Alléluia. Amen. Ce que tu laisses dans ton territoire, petit à petit, quand ils seront nombreux, ils te chasseront. C'est pourquoi ne te fatigue pas. Primo à surveiller ton territoire. Je t'en supplie, surveille bien ton territoire. Ta santé. Tes avoirs. Chaque fois que tu vois les sales pattes de tes ennemis, qui parce que le cri du lion, je l'ai dit, a une portée de 8 km dans une circonférence. Le cri de lion, quand il rugit, c'est parce que ce cri-là est très puissant. Et quand il le fait, tout le monde va tenir se tait. Il fait silence. Mais lui, il ne les cherche pas. Il dit, ah ok. Et là, on a le cas de il n'est pas zonginaï. Parce qu'en réalité, quand le soleil est là, je m'endors, car le soleil c'est mon Dieu. Quand il est là, je ne force pas les choses. Quand il est là, je ne force pas les choses. Que le soleil se lève sur ta vie et que tu ne forces pas les choses. Que le soleil se lève sur ta vie pour que toi tu entres dans le repos de la foi. Mais c'est pendant la nuit qu'il peut se lever et commencer à chercher. Bon, c'est la nuit, c'est normal. Mais quand il y a le soleil, il s'endort, il est là calme. Et j'ai toujours cherché même une antilope ivre qui vient déranger les lions quand ils dorment. Je n'ai pas trouvé. Donc il dort calmement parce qu'il sait que son soleil l'éclaire. Quand tout le monde passe voir, c'est les lions. Il fera quoi? Ba fina kingwa ba voisin. Amen. Ba fina kingwa ba toi en face. Amen. Ba rokote pa na bino. Ba mesela ko ba mo mo ma kasi ma cause de fou mo ngo sa. So ba ko kite ba sala na tena basi. Alléluia. Amen. Tu es
tant que lion, il faut que les choses bougent en fonction de toi. Il crie pour marquer son territoire. Il crie pour dire, cela m'appartient. Mais cela veut dire aussi, pour protéger, tu dois posséder. Mais les lions ne commencent pas par posséder. Ils commencent par conquérir avant de posséder. C'est que le lion peut aussi crier pour gagner un territoire. Alléluia. Amen. Premièrement, quand il a la proie. Deuxièmement, pour dire, ici c'est chez moi. Mais, sous petit point, il écrit aussi pour dire, dans ce moi. Ah, amen, amen. Alléluia. Amen. Alléluia. J'ai dit, Seigneur, mais qu'est-ce qu'il y a? Il dit, mais oui. Amen. En réalité, amen. C'est par ton cri que tu gagneras certaines choses. Seigneur, quel est le marché où on ne donne pas l'argent, on donne les cris? Il me dit, toi tu ne lis pas la Bible, pourquoi? Pourquoi Moïse est venu? Mais parce que les enfants d'Israël souffrent. En Égypte. Ah bon? Lis encore très bien. Qu'est-ce qu'on a écrit? Les enfants d'Israël poussaient les cris. Leur cri était parvenu à l'Éternel. Ça a acheté Moïse. Koganga na bangwe matye pa nzambe tini nzamba tini na bangona ni Moïse. Basomba Moïse na cri na bangwe. Kogambo lo ganga ke pa nzambe osomba kabilo ke pa nzambe. Amen. Tout ce que tu veux posséder, cherche d'abord à posséder ça dans la prière. Arrache ça dans la prière. Crie pour ça dans la prière. Et tu posséderas le territoire. Parce que personne ne te dira. Il y a un fan dans la poussane. Voilà ce que. Amen. Tu as un territoire que tu dois conquérir. Et ce territoire-là t'exige des cris. C'est ainsi que j'ai vu un lion, un jeune lion, qui m'a inspiré à cela pour m'amener dans un moment de prière. Nous avons dit que nous sommes de lion. Mais regarde très bien. La Bible dit ceci. Dans 1 Chronique chapitre 4. 1 Chronique chapitre 4. C'est très connu ce texte. La Bible dit, on parle de descendants de Judas. 1 Chronique 4, le verset 9e. Jaébé était plus considéré que ses frères. Allons-y calmement. Jaébé était plus considéré que ses frères. Ça veut dire qu'il avait beaucoup de frères, mais tous ses frères étaient silencieux. C'est lui qui parlait. Jaébé était plus considéré que les autres. Si Jaébé était un animal, c'est que Jaébé était un lion. Les autres, là, c'était, c'est vrai, ses frères. Mais en termes de considération, celui qui était établi au roi, c'était Jaébé. Et quand tu avances, tu dis, c'est vrai, parce que Jaébé étant de Juda, Juda est un lion. Ah, ce qu'on peut s'aligner aussi, au moins, c'est Jaébé, il a le sang du lion. Et je lui demande comment alors tu as manifesté, tu es devenu lion. La réponse des antilopes.
C'est sa grâce. Je l'aime beaucoup. Je ne veux pas ces réponses. J'ai interdit ce genre de réponses. Comment Jaébé est devenu plus considéré? Toi, tu ne connais pas. Leur oncle, c'est lui qui était ministre. Pourquoi tu expliques la réussite de quelqu'un par rapport aux autres? Si leur oncle était ministre, est-ce que lui est le seul neveu de son oncle? Pourquoi les autres alors ne sont pas devenus comme des Jaébé? Ne dis pas, oh non, Pierre, c'est parce que Pierre était, Dieu l'aimait beaucoup. Et il n'a pas aimé Jean. Il a aussi aimé Jean. Ne réponds pas facilement aux exploits des gens. Il y a toujours des conditions qui ont été appliquées pour expliquer la réussite de quelqu'un. Rien ne se fait gratuitement ni irresponsablement. C'est la responsabilité et l'exigence ou l'obéissance qui détermine les exploits de quelqu'un. Et Salim Okumba, Jaébé était le plus considéré. Mais il est devenu le plus considéré comment? Selon la Bible et selon ma prédication, parce que Jaébé avait crié. La Bible dit Jaébé était plus considéré que ses frères. Sa mère lui avait donné le nom de Jaébé en disant: je l'ai enfanté avec douleur. Jaébé commence sa vie avec un inconvénient. Il commence sa vie avec un désavantage par rapport à ses frères. Ils étaient ensemble, mais lui, on l'a enfanté avec souffrance. Cela veut dire qu'il était le plus le moins avantagé des autres. Mais j'ai compris dans la vie, ce n'est pas le départ qui est important, c'est l'arrivée qui expliquera ce que tu as fait. N'aie pas honte d'être né au village. N'aie pas honte d'être né dans un coin où il n'y avait pas de courant ni d'eau. N'aie pas honte d'essayer d'être né avec des parents pauvres. Ce n'est pas ta responsabilité. N'aie pas honte de ce dont tu n'es pas responsable, mais aie honte de ce à quoi toi-même tu es responsable. Honte à toi si tu meurs aux pauvres. Honte à toi si tu échoues dans la vie. Ne te cache pas derrière ce que les parents ont fait. Ne te cache même pas derrière ce que les gouvernants de ce pays font. Il était né dans la souffrance. Sa mère l'a enfanté dans la souffrance. Et sa mère a dit: tu t'appelleras Jaébé. Laisse que le nom que tu portes soit comme un vêtement. Et si tu grandis, le vêtement devient petit, change-le. Je t'autorise à changer le nom si ça ne te convient pas. Je suis en train de dire à quelqu'un: le nom de Jaébé n'était pas un bon nom. Mais cela n'a pas bloqué Jaébé pour devenir roi. Ne donne pas raison à ceux qui ont peur du diable. Si les liens de nom existent, si les liens de sang existent, l'alliance est plus forte que les liens de nom et de sang. L'alliance de Jésus-Christ est plus grand. Hey! Hey!
Chaébé est né dans la souffrance. Et dans la souffrance, il a grandi comme ça. Ses frères n'étaient pas nés dans la souffrance. Si on appelait son frère, il s'appelle Jean. Dieu, c'est l'amour. Il s'appelle qui Pierre. C'est la pierre de Dieu. Mais lui, c'est Jaébé. C'est le désavantage de la vie. Mais Jaébé a compris. Si je vais conquérir un territoire, je dois crier. Je dois crier. Si je m'étais, il n'y aura pas de changement. C'est ainsi que la Bible dit. Jaébé invoqua le Dieu d'Israël. On n'a pas dit Jaébé a dit. On n'a pas dit Jaébé a prié. On a dit Jaébé a invoqué. Alléluia. Chrétien, une vocation existe. Prier, c'est bien. Il faut invoquer aussi. Je répète. Alléluia. Prier, c'est demander. Même au loin, je peux te demander. Mais t'invoquer, c'est te dire d'abord de venir là où je suis. C'est entrer dans mon problème. Et que nous vivions ça ensemble. Que les lions invoquent leur père. Jaébé invoqua le Dieu d'Israël. Il ne pria pas le Dieu d'Israël. Parce que je peux te choquer. Dieu a autorisé même dans l'Ancien Testament que les païens le prient. Oui. Psaume 65 dit, oh toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Dans ta Bible, quand les Nique Éthiopiens venaient au temple, venaient adorer, venaient prier. Même aujourd'hui, si tu vas en Israël au mur des lamentations, tu verras les gens venus de toutes parts pour prier. Mais jamais invoqué. Parce que pour être invoqué, tu dois être en connexion avec l'Esprit. Je n'ai pas beaucoup d'exemples, mais prichons ne fût-ce que le monde des ténèbres. Les enfants avaient des petits fétiches qu'on appelait mystères. Je donne un exemple. Si on a bakatina kamo, na koyoko kobele la community. Zambagori, voilà. Na kobenga zambagori. Si on yo zananga pembeni, bakata o kamo te. Obadi obenga zambagori, aoyate. Pour à la connexion à Yodi. Yes. Pas chrétien, pas on béni, ça béla. Mais pas yébi ou invoqué. Zambalola akita. Jaébé n'a pas prié. Jaébé a sambelati. Jaébé a invoqué les dieux d'Israël. Jaébé a bélé la vie d'Israël. Je me pose la question. Si il est fils de Judas, ce qui a moi na Yuda, il n'a pas prié les dieux de Juda pourquoi? Il est allé invoquer les dieux d'Israël. C'est que alliance place Zalaka. Alléluia. A Kekozoa alliance place Zalaka. Tant que le Banzambe à Israël, à Zomon à Israël, le Gola Moutou, à Tikala Kozala Mobolati. Zambé à Israël wana. Yes. Yosalanini. Yakawa. Jaébé invoqua les dieux d'Israël. Les dieux d'Israël vinrent chez Jaébé. Et lorsqu'il vint, écoute les paroles de Jaébé. Si tu me bénis réellement, si tu me bénis, en réalité,
Si tu agrandis mon territoire, ce qui au foulou qui s'est connu si le pan moto dit n'a rien. Si tu es avec moi, ce qui aux anama, si tu éloignes de moi les malheurs pour m'épargner la souffrance, ce qui au longoli ni bosso n'a pas si bon le colanga na konyo kwama. Kona mon na konyo kwama. Kona mon na konyo kwama te. Je ne sais pas si quelqu'un comprend cette prière. Vous avez la primaire et ça monte à colia yebi mais ça peut à monto à yebi passe. Alléluia. Donc à ce Singapour à mon alice sous passité c'est quand c'est ma monto à l'eau la passe. Si tu me bénis ce que pamboliba il ajoute réellement il y a solo penza. Dans la réalité, Jacob était béni. Il est fils de Juda, il est fils d'Israël, il est à la place de mon Israël. Dans la réalité. Si tu me bénis réellement, si tu étends mes limites selon ses mères dit. Il ne dit pas si tu es dans mes limites. Si tu agrandis mon territoire. Alors, il sait qu'il a un territoire. Mais il dit Seigneur. Il y a mon kebunanga. Seigneur, mon montant, il va foutre en bas. Bien. Merci pour le territoire. Mais colisse la main. Amen. Si tu me bénis réellement, si tu étends mes limites, tu fais de sorte que je ne souffre plus. C'est que Jaébé connaissait ce que c'est que souffrir. Et cela s'est passé entre lui et Dieu. Et c'est comme s'il disait, oh mon Dieu. Si tu fais que je ne vois plus la souffrance, moi, dans mon TV classe, à tout nos secours, c'est quoi la classe? Ça me n'a ligné le soutien d'attendre sa moi dans la cour à géographie la TV. La ligne là est la qui s'en rend des gens à la cour. Moi, dans mon cour à géographie, si tu me bénis, tu n'as pas jaillé. J'ai aimé, c'était
c'est le lion qui s'est réveillé. Et il a crié. Et ce cri l'a délivré. Les cris du lion, c'est la conscience du territoire que tu es en train de perdre. Du territoire que tu manques. Pour lequel tu dois crier pour que Dieu t'établisse. Pour que Dieu t'établisse. Sinika boya. Basenge na ko loko na mawa. Boya, boya. Balata kabila baba longola kango so balembi de bakabeli. Boya, boya yango. Ona kanda na bangote mema kambwana ndo lingi angote. Okende na fami ba peso biloko na cuisine. Yo ni aka na cuisine. Est-ce que vous avez une valeur dans le monde? Et si vous avez respecté à côté de vous, vous avez dit. Qui est le lion 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 qui est Si tu me bénis dans la réalité, si tu es dans mes limites, si tu as grandi mon territoire, ce matin je ne dirai pas si tu bénis. J'ai dit bénis-moi réellement. Agrandis mon territoire. Fais que je ne sois plus dans la souffrance. Que je ne sois plus dans la souffrance. Est-ce que tu veux te mettre Jésus le lion, Jésus le lion, Jésus.
soit donné. Jésus est son tombeau de la cante. Mais carobas keibendo. Je te bénis. Je te mets béni. J'invoque les cieux. La guérison, la délivrance, la prospérité,
que tes mains reçoivent. Le territoire qui t'appartient. Au nom de Jésus, quel est le territoire? Les territoires. Tu ne partageras cela avec personne. Mais cela partage avec personne. Que tu leur fasses du bien à cause de ton nom. Que tu agisses, toi qui es Dieu et d'aimerais Dieu. Nous soumettons à toi et nous voulons que tu marches devant nous. Merci pour ton amour et ta fidélité. Toi qui es Dieu. Et qui demeurait Dieu. Tu seras toujours le Dieu de la milice et shalom. Amen. Tu seras toujours le Dieu de mon appel. Amen. Et tu seras toujours celui qui recevra notre adoration. Amen. Rugis parce que cette assemblée t'appartient. Rugis parce que nos vies nous t'appartiennent. Rugis pour défendre ton onction en ces lieux. Oh Jésus. Oh Alléluia. Merci encore. Alléluia. Merci pour ta grâce. Mon cœur est rempli de tristesse de savoir que nous ne savons jamais ce que tu es. Alors que tu es papa, tu es Dieu, tu es Seigneur, tu es Sauveur, tu es le Roi, tu es le Messie. Tu es la vérité. Tu es la vie. Tu es l'alpha. Tu es le méga. Tu es tout pour nous. Tu es la clé de ma vie. Tu es le premier de tout. Tu es le soleil de justice.